Revelation of God's purpose. C'est que tout ce qui arrive, meaning everything that happens, contribue pour le but de Dieu. For the purpose of God. And the purpose of God. C'est alors que Dieu se tient et il dit. It's why God stood up and said. Il veut des adorateurs qui comprennent ça. He wants a worshipper that will understand this. Deuxième chose. Secondly. Un adorateur est un homme de foi. A worshipper is a man of faith. Parce que la Bible déclare. Because the Bible declares. On reste connecté ce soir et à sa présence. We'll stay connected tonight in his presence. Que celui qui s'approche de Dieu, that who comes closer to God, croit qu'il existe, though he exists, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le suivent. He is the one who answers those who seek him. Écoute, Abraham dans Genèse 22. Abraham in Genesis chapter 22. Dieu lui demande quelque chose de difficile. To ask them something that was very difficult. De donner son fils. To give his only begotten son. Pendant qu'Abraham s'avance et qu'il voit la montagne. And when he got closer to the mountain. Il dit à ses serviteurs de rester. He told his servant to stay. Il prend son fils. He took his son. Troisième chose. Secondly. L'adorateur doit savoir repérer la présence de Dieu. You have to know the presence of God. La Bible dit, il vit la montagne de loin. He said he saw the mountain from afar. Pendant que Dieu lui avait dit, when God told him, va, je t'indiquerai l'endroit. I'm going to direct you the place. Mais la Bible n'a jamais dit que Dieu lui a dit que voici l'endroit. The Bible never said that God said this is the place. Mais la Bible dit quand il arrive. But the Bible said when he got there, il a su que c'était l'endroit. He knew that this is the place. Un adorateur doit savoir repérer sa présence. A worshipper has to know his the presence of the Lord. Quatrième chose. The fourth. Un adorateur. A worshipper. Doit être prêt à tout donner. Has to be ready to give everything. Y a-t-il un amoureux de Jésus à Seigneur? Alambo, pour changer de trajectoire, y'a mon mot inangaï. J'avais comme destination à faire le péché, Seigneur. Au désorienté, n'a la qui s'y n'a pas le bico. N'a divina langue, l'olango, n'a yo. N'a ben à la mon langue, pour la langue est sous l'icamoté. N'a comment différent parce que j'ai un Dieu différent. Du péché, tu m'as le péché, Seigneur. Alléluia. Je vais chanter avec l'église. Yesu na lango. Approche-toi de sa présence. Il est là. Il est là. Non. Moi j'attendrai jusqu'à ce que tu se repères.
Dieu le but. Il y a un but dans ce qui se passe dans ta vie. There's a purpose in what's going on in your life. Na kuzina, jino yo, mukumi moni sa. Show yourself. Na kuzina, jino yo. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que tu viennes m'embrasser. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que tu viennes, Jésus. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Est-ce que tu peux chanter ça? Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Oh, je t'aime plus que tout, je t'aime plus que ma vie. Yes. Je t'aime plus que tout, je t'aime plus que ma vie, je t'aime plus que tout. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. J'attends quelqu'un qui dise, tu es la force de ma force. Oh, je t'entends pas. Il est quoi? Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force, de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Yes, Alléluia. Amen, amen. Amen.
Je voudrais qu'on fasse une autre chanson. Ça va vous sembler bizarre. It's gonna be strange. Mais aujourd'hui on est là pour adorer. We're here to worship. Qui ti amo ko izini o kolo Yesu e omela sinze ko Qui ti amo ko izini o je vais demander à toute la salle de I'm asking the whole room to stand up. Rebo shokan de reposa. Hallelujah. Vous savez, you know, histoire, on a une histoire particulière avec le trône. Amen. Les adorateurs vivent au pied du trône. The feet of the throne. Les adorateurs passent leur temps à élever le trône. Lorsqu'on commence à parler du trône, when we talk about the throne, c'est lui qui est assis sur le trône. The one who's seated on the throne. Commence à sentir que nous avons besoin. S'il n'y avait pas de trône, il n'y aurait pas eu de croix. If they didn't have a throne, they wouldn't have a cross. C'est parce qu'il y avait d'abord un trône. There had to be a throne. Que la croix est venue. Then the cross came. Afin que nous puissions nous approcher. To approach. Du trône. To the throne. Je veux que tu chantes cette chanson. I want you to sing this song. De tout ton cœur. With your whole heart. Que tu élèves la voix. I want you to lift up your voice. Pour un instant que Dieu dise aux anges. That God will tell the angels. Baissez un peu le volume. Hold on. Il y a quelque chose de formidable qui se passe quand les rachetés se mettent à adorer. The worship and worship. Écoutez-moi. Lift up your hands. Reba sheken de rebosa. Oh, kiti aboko zina yo kolo Yesu. Je vais demander aux musiciens, aidez-moi, mettez-le à vos micros. Je veux sentir un cœur. Amen. Et quelque chose qui va se passer bientôt. Alléluia. Oh, qui ti a beaucoup, zina yo, kolo Yesu, élève encore ta voix, s'il te plaît. Oh, qui ti a beaucoup, Emmanuel. Délivrance où tu es pas, Inayo. Zambena, Inayo. Oh, 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 Never.
sont là pour t'écouter, pour t'adorer, pour passer à mon activité avec toi. Que ce moment soit un moment où tu vas nous impacter. Parce que lorsque nous approchons de toi, quelque chose se passe. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là pour un humain. Nous sommes ici pour toi, Dieu. Pour toi, lui, Dieu. Nous sommes ici pour que nous t'écoutions. Nous sommes ici pour que nous t'aimons. Nous sommes ici pour te dire que nous t'aimons. Que tu es cher pour nous. Que nous remercions Jésus pour ce qu'il a fait à la croix. Nous sommes ici pour regarder le ciel et dire tout est accompli parce que tu nous as aimés. Tant au Père, nous sommes ici parce que nous espérons en toi. Tant au Père, nous sommes ici parce que nous croyons en toi. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu es l'intérêt de notre vie. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu es le centre de notre vie. Tant au Père, nous sommes ici non parce que nous sommes fatigués d'écouter les hommes. Nous sommes fatigués de vivre avec les hommes. Nous voulons passer un temps avec l'éternel Dieu des armées. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu nous as appelés. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu nous as aimés le premier. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu remplis nos cœurs de ton amour. Tant au Père, nous sommes ici parce que la résurrection vient de toi. Tant au Père, nous sommes ici parce que la vie vient de toi. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu es le Créateur. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu es celui qui ne part pas ses rames. Tant au Père, nous sommes ici parce que tu es le réparateur de pêche. Tant au Père, nous sommes ici, accueillons-nous, accueillons-nous. C'est toi, c'est la parole qui donne la vie. Mais Bayashé, Clément Saint, je te bénis. Et on acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez vous asseoir. On m'a demandé de parler d'un thème qui me fascine. Excusez-moi, j'ai des tics d'homme, mais écoutez, c'est normal. Alléluia. Nos pères spirituels, tous étaient des hommes. On les a vus prêcher, ils nous ont tellement influencés que parfois, on se retrouve en train de faire les tics comme eux. Bonjour maman. Parfois, on se retrouve en train de faire les tics des hommes, pas parce qu'on en est, mais parce que nos pères étaient des hommes. Amen. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. 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 Dis à la personne qui est à côté de toi, shalom. Merci, shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Tout celui qui a passé un temps avec le Seigneur a vu le shalom de Dieu. Saw the shalom of the Lord. A vécu le shalom de Dieu. Shalom of the Lord. On m'a demandé de parler d'un thème. They asked me to talk about a theme qui m'a beaucoup fasciné. That really touched me. Je voudrais, Seigneur, que tu me donnes la capacité de libérer ce message tel que tu me l'as donné. To share this message as you give it to me. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Can I have water, please? L'incapacité de Dieu. The incapacity of God. Virgule. Come. L'adoration. Worship. L'incapacité de Dieu. The incapacity of God. Virgule. Comme l'adoration. Worship. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Meaning God is all powerful. Il est tout ce qu'on a écrit là. Elohim. He's everything that is written here. Elohim. Elohim. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Il est grand. He is great. Il est Dieu. He is God. Mais je retrouve aujourd'hui. I find today. Que même dans sa puissance la plus puissante. Powerful. That's most powerful. Il a des capacités. He still has capacities. Dieu a des limites. God has limits. Je pense que certains diront que nous sommes en train de blasphémer. Some people are going to say we're blaspheming right now. Amen. Amen. L'incapacité de Dieu. The incapacity of God. L'adoration. Worship. Alors ça m'a emmené à réfléchir sur l'histoire. To think about the history, the story. Que nous avons avec Dieu. That we have with God. Alléluia. Hallelujah. Referons dans l'Ancien Testament. Let's go back to the Old Testament. Genèse. Genesis. Il était sur son trône. He was in his throne. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. And I don't know what God did to him. Il a dit, ben, he said, well, je vais créer. I'm going to create.
Il s'est mis à créer. He started creating. Ma Bible me dit. My Bible tells me. Qu'il a d'abord créé l'homme. He first created a man. Et puis il a gardé l'homme. Then he looked at the man. Et puis il a créé la terre. Then he created earth. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Amen. That's what is written. Amen. Dieu a créé le monde entier. The whole world. Parce qu'il avait envie. Because he wanted. De créer quelqu'un. To create somebody. Avec qui il passerait beaucoup de temps. To whom he would spend time with, a lot of time. Et avant de créer cette personne. Now, before creating this man. Il fallait lui apprêter l'environnement. He had to give him the environment. His environment. Il a créé le ciel. So he created heaven. Il a créé la terre. He had earth. Il a créé les animaux. Animals. Il a créé tout ce que nous voyons. Everything that we see. Juste parce que. But just because. Il voulait créer quelqu'un. It was just because he wanted to create someone. Vous savez, parfois, je me réalise que Dieu vous aime. I realize that God loves us. Il a tout fait. He did everything. Juste pour recevoir un homme. Just to receive a man. Quand il a créé la terre. When he created earth. Il parlait. He said. He spoke. La lumière est venue. Light came. Les animaux sont venus. Animals came. Les étoiles sont venues. Stars came. Et même quand il séparait les zones avec les zones, il parlait seulement. He would just speak. Et il les séparait. And he would separate them. Dieu est tellement puissant. God is so powerful. Mais la faiblesse de Dieu est dans son amour. Et puis il s'est dit, maintenant que j'ai fini avec l'environnement, je vais maintenant créer la personne. Il descend de son trône. From his throne. Pour la première fois, il marche sur la terre. For the first time, he came on earth. Avec ses mains. With his hands. Il a commencé à ramasser la poussière. Started to take the dust. Il a commencé à ramasser la poussière. Take the dust. Il a créé une forme avec la poussière. He started building a form with the same. Après avoir créé la forme avec cette poussière. The form. Dieu. God. Il se concentre dans sa divinité. He concentrated himself in his divinity. Il aspire. Il prend un bouffet d'air tel qu'il ne l'a jamais pris. He enjoys that. Il concentre sa divinité dans son. He concentrates his divinity. Dans son souffle. In his breath. He breathes. Dieu, God, chaque fois qu'il parlait, every time he spoke, parce que quand on parle, when we speak, il y a le souffle qui sort. Pour émettre le son, il faut qu'il y ait le souffle. You have to have breath. Mais avant qu'il ne donne ce souffle, avant qu'il ne forme, il dit, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. According to our resemblance. Quelqu'un qui va me ressembler. Somebody who resembles me. L'homme, God, the man, a été mis à part par Dieu aside by God, depuis la conception, since the conception, de la pensée, of the thought, de créer of creating a man. Dieu a voulu créer quelqu'un comme lui, somebody like quelqu'un de spécial, somebody special, quelqu'un avec qui il pourra parler, he will speak to, un être semblable à lui. Resemble him. Alors il se concentre. And when he was concentrated, il dégage sa divinité dans la poussière et soudain and then, cette poussière right at that moment, devient une âme vivante, a live soul. J'imagine dès que l'homme se réveille, when a man came out, il regarde Dieu and he looked at God, il dit bonjour, he said hello. Et Dieu sourit. And God smiled. Il s'est présenté, je suis Dieu. They say, I'm God. Je suis ton Dieu. I'm your God. Écoute, ne m'appelle pas ton Dieu. Don't call me appelle-moi ton ami. Call me your friend. Et je m'ennuyais tellement. Il y avait les anges. There was angels. Mais bon, ils sont pas de mon niveau. They're not on my level. Je voulais quelqu'un comme. I really want someone like. Quelqu'un qui parlerait comme. Someone who would speak like. Qui sourirait. Someone who would smile. Qui aurait des sentiments. Qui pourrait être blessé. Who would be hurt. Qui pourrait être content. Who would be happy. Quelqu'un qui m'aimera. Qui fera le choix. Je m'aimais. Tu feras le choix d'être avec moi. Je voulais créer mon amour. Et l'homme ne comprenait presque rien. Il lui dit enchanté. Vous savez, souvent, entre nous et Dieu, il comprend mieux les choses que nous. Et très souvent, nous faisons juste enchanté.
nice to meet you. Sans connaître la profondeur without understanding the greatness de son amour. Of the love. Vous savez, of his love. Lorsque you know, je lave mon bébé, when I take care of my c'est avec baby, beaucoup d'amour. For my baby, it's mais pour mon bébé, baby, ce n'est qu'un bain comme tous les autres. It's just a thing, it's just a shower like every other shower. Lorsque je prépare pour mon mari, when I cook for my husband, c'est avec tout mon cœur. With my whole love, et puis le repas servi. And then I serve. Mais c'est un repas comme celui de lundi. It's same food like the one on Sunday. Le problème avec l'homme, c'est qu'il ne connaît pas la valeur des choses que Dieu lui donne. Et pourtant Dieu en te créant, en te donnant ce qu'il t'a donné, il a coupé une partie de lui. He cut something from him, a part il a déposé en toi pour créer un puzzle. Something. Pour que Dieu soit complet, for God to be complete, il faut que tu rentres à ta place. To get back on your place. Pour que Dieu soit complet. For God to be complete. Lorsque Dieu soufflait dans l'homme, when God il a coupé quelque chose en lui. Il a transmis dans l'homme. Je dis ceci. I'm saying this. Pour que Dieu crée la femme, for God to create a man, faire dormir l'homme, il tue la corps de l'homme et quelque chair. Il forme la femme. Pensez-vous que l'homme est resté comme il était avant? Was staying the way he l'homme was était moitié. He was half, he was a part now. Et pour que l'homme soit complet, for him to be complete, il faut que l'autre moitié soit has to be next to him. C'est comme ça avec Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, il a créé sa moitié. Pour que Dieu soit complet, God to be il faut complete. Que l'autre moitié rentre à sa place. Have a part of him. Dieu est resté. God stayed. La partie la plus forte. The part that's still stronger, the stronger part. Et nous. And us. La partie la plus faible. The weaker part. Amen. Et chaque fois que la partie la plus faible. Every time the weaker part. Se met à genoux. Gets on its knee. La partie la plus forte. The stronger part. Est obligée de descendre. To come de secourir la partie la plus faible. Alors le diable sait qu'aussi longtemps que tu restes la partie la plus faible, aussi longtemps que tu es la partie la plus faible, la partie la plus forte te cherchera toujours, te cherchera toujours. Alors un jour, le diable est venu tenter l'homme. Quand je dis l'homme, je vois l'homme et la femme. Pourquoi est-ce que le diable a voulu tenter l'homme? J'étais en train de réfléchir. Le diable savait que la manière dont cette nuit-là est faite par rapport à cette partie faible, pour que je le voie, parce que depuis le ciel, quand on l'a précipité sur la terre, il n'avait pas encore vu le visage de Dieu. Haven't seen yet the face of God. Pour bien avoir Dieu entre mes mains. See God as human. Et continuer le combat que je l'ai mené à là-haut. Il faut que je puisse faire que la partie la plus forte puisse descendre dans la chair. Flesh. In flesh. Tu comprendras très bien. You will understand it later. Tu vas aimer le Seigneur après ce message. Je veux te communiquer l'amour de Dieu. Je veux que quand tu adores désormais, que ton adoration change. Parce que tu auras compris quelque chose que j'ai compris. Nous allons lire, je vais donner les versets. I'm going to give you verses. Mais tous les versets sont pour moi. Every verses. Alléluia. Je vais les lancer, et puis à un certain moment, on va lire celui qu'il faudra. Là, je suis en Genèse, vous connaissez, c'est le deuxième chapitre. Vous allez le lire entièrement. Et alors, lorsqu'il a touché, when he touched, l'homme a péché. The man sinned. L'homme s'est séparé the de Dieu. Separate from God. Alors, la partie divine dans l'homme, parce qu'elle manquait de ressources, elle a commencé à sombrer. Elle a commencé à perdre son éclat. Alors, l'homme est devenu un humain total. Became a human, total human. Dieu a essayé de par tous les moyens de se réconcilier avec l'homme.
sans pour autant se renier soi-même. Without getting himself with him. C'est comme ça que Dieu a donné à Moïse le modèle du tabernacle. God gave Moses the model of the tabernacle. Avec les animaux, on pouvait avoir un semblant de pardon de péché. They had to kill the animal to be able to be saved from sin. Mais malgré tout cela, though all those things, le cœur de l'homme n'était pas étanché. The heart of the man. Parce que l'homme était toujours loin de lui. He was far away from him. Et je pense même que le tabernacle de Moïse a encore plus séparé l'homme de lui-même. Separate the man from himself even more. Le tabernacle de Moïse a fait ce que un seul homme entrait pour tout le monde. That everything came from everybody. Pendant que Dieu avait vraiment besoin de passer le temps avec chacun. So God wanted to spend time with everyone. Le péché s'accumulait dans le temple. Sin was accumulating in the temple. Et le temple le plus saint devenait le temple le plus souillé. Parce que toutes les fois qu'il y avait un sacrifice par an, every sacrifice came, c'était rappeler à Dieu le sacrifice de tous les péchés qu'il a pardonné. Et c'était lui rappeler les péchés de son peuple. Of the sin of his people. Dieu souffrait. God was suffering. Dieu s'est battu pour nous récupérer. God should fight to get us back. Jusqu'à ce qu'il se rende compte. Then he had to find qu'il ne peut pas récupérer son autre partie s'il ne se réunit pas lui-même. He can't recuperate his part before until he know himself. Hallelujah. Hallelujah. Alors il se décide. So he decided. Je suis dans l'hébreu. I'm in Hebrew. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Somebody read the book of Hebrew. Hébreu 10. Help me read Hebrew 10. Je prends la Bible. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut m'aider à le lire? Can somebody help me read Hebrew 10? Hébreux 10, le 11e. Hebrew 10, verse 11. Non, on peut commencer par le tout premier. We can start par le premier verset. First verse. Hébreux 10. Hébreux 10, first verse. Je le lis. Il y a quelqu'un qui va lire? Merci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens d'avenir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais pardonner même par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, étant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. It was very clear. Alors un jour le Seigneur comprend. So one day God understood. Qu'il n'a pas de choix. That he had no choice. S'il veut rester avec l'homme, if he wants to stay with man, il faut rétablir les droits de l'homme. But the man, he has to reestablish Et pour rétablir les droits de l'homme, to reestablish his, il faut qu'il se renonce, qu'il renonce à lui-même. He has to deny himself. Et entrer dans un combat. And get in a fight. Pour racheter la moitié la plus faible. Get in a battle to get back the part, the weak part. Et Jésus, avant d'entrer dans le monde, God, before he got to the world, il dit, he said, tu n'as voulu ni sacrifice, you didn't get no sacrifice, ni offrande, no offerings, ni tout ce qu'on a dit, none of that things that they said. Mais tu m'as formé un corps. But you formed a body.
Tu n'as pas voulu que les gens te servent. You didn't want people to serve you. Tu as voulu maintenant toi servir. You want you to serve. Tu as voulu maintenant toi récupérer. You want you to recover. Tu as voulu maintenant toi récupérer tout dans tes mains. To take everything tout contrôler. Control everything. C'est toujours la As a normal man. Je vais te dire une chose. I want to tell you one thing. Sans la croix, l'adoration n'existe pas. Without... Alors dès qu'il descend, when he came down, he came down. Il commence à faire du bien. He started doing good. Mais il était focus sur la croix. But he was focused towards the cross. Il savait que he tout ce qu'il est venu faire, c'était accomplir la parole to accomplish the word et mourir sur la and croix. Die on a cross. Un jour en marchant, one day walking, il rencontre une femme. He met a woman. La femme samaritaine. The Samaritan woman. Vous connaissez l'histoire. You know the story. À un certain moment, on parle à la femme samaritaine. At the moment we're speaking about il lui dit, woman, vous said, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. You worship the ones you don't know. Mais nous nous adorons ce que nous connaissons. But we worship the one we know. Là, juste dans Jean 4. And that's John 4. Il dit, he said, le salut vient des Juifs. Salvation comes from the Jews. Mais le temps vient. But his time has come. Le temps est déjà venu. The time already came. Où les vrais adorateurs. Where the true worshippers. Adorons le Père. We worship the Father. En esprit et en vérité. Quand ce sont là les adorateurs que le Père the Father demande. Is looking for. Donc la mission de Christ sur terre of Christ on earth était de faire que was to make the Père Father puisse recevoir sa demande. To be able to get his request. Et la demande du Père. The request of the Father. C'était pas les nations. Was not the nation. C'était pas tout ce qu'on pense. It's not everything that we think. C'était les adorateurs. It was the worshipper. Dieu était sur le trône. What power was on his throne? Et il disait. And he said. Je veux récupérer mon ami. I want to recuperate my friend. Il s'est fait que dans la première alliance. He did that on first, Dieu le disait. God told us, dans la loi, in the law, tu es obligé de m'aimer. God obligated to love me. Il voulait tellement qu'on l'aime. He wanted us to qu'il a voulu nous imposer son amour. Us his love. Dans la deuxième alliance, il a compris que l'amour ne s'impose pas. That the love does not get forced. L'amour, love, pour l'obtenir, il faut gagner le cœur. You have to win the heart. Et pour gagner le cœur, to win the il faut heart. Faire quelque chose. To do something. Il faut faire du bien au cœur. Alors Christ est descendu pour draguer l'épouse. Christ est descendu pour chercher l'adorateur. Pas n'importe quel adorateur, mais le vrai adorateur. Celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Oh, hallelujah. Bien-aimé, après avoir prêché l'évangile, word, worship, the gospel. Il s'approchait de sa mission. He came to, closer to his mission. Après avoir touché le cœur de l'homme, en lui faisant du bien par des miracles, en lui faisant du bien en le guérissant, en lui faisant voir que Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu est de ton côté. En lui faisant voir qu'il est celui qui va venir quand tu es dans la mort. Il ne vient pas te ressusciter. Il est celui qui viendra quand tu seras malade. Il sera là pour te guérir. Il est celui qui sera là quand tu auras des problèmes pour t'aider à les résoudre. La vie de Jésus sur la terre était nous faire comprendre qu'il nous aime. La loi the law. Nous a dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais la loi nous avait jamais dit combien Dieu nous aimait et combien il est prêt à nous faire du bien. Tu ne peux pas avoir des adorateurs si tu n'as pas encore touché le cœur. Et tu ne peux pas toucher le cœur si tu ne leur montres pas ce que tu es prêt à faire pour eux. Alors Jésus est descendu pour nous montrer ce qu'il est prêt à faire pour nous. Non seulement pour nous le montrer, mais pour le faire. Amen. Après avoir descendu, after he came down, après avoir convaincu, after convincing the man, un jour avec ses disciples, one day with his disciples, il dit à ses disciples, he told them, les gens disent, people are saying, que je suis qui? I'm who am I? Oh non maître, oh, ils disent que tu es magicien, they say you're a magician, certains disent que tu es Elie, some say you're Elijah, certains disent que tu es, some say you are, certains disent que tu es, certains disent que tu es, you are this and that. Ça c'est sans ce que les autres disent. Mais vous, que dites-vous que je suis? What are you saying? Alors Pierre, sors de la révélation et dis-toi, tu n'es pas n'importe qui,
God. Alors Dieu a compris. So God understood. Jésus a compris. Jesus understood. Que les disciples ont compris. The disciples understood the mission. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Que lorsqu'il aura compris, que tu as compris sa mission dans ta vie. Tu sais, tu n'as pas encore commencé à adorer Dieu parce que tu n'as pas encore compris qu'il est là pour te faire du bien. Tu n'as pas encore pleuré dans l'adoration parce que tu n'as pas encore compris qu'il est là pour te racheter, il est là pour te sauver, il est là pour te faire du bien. Ah, bien aimé, on te demande de danser. Tu n'as pas encore dansé parce que tu n'as pas encore été touché. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Ce soir, this evening, on a encore un peu de temps, we still have a little time, pour l'adorer. To worship him. Alors après avoir convaincu les disciples, il était sûr maintenant que les disciples allaient continuer le travail. The work. Il regarde la croix. He saw the cross. Il montait à la croix. He could go into the cross. Comme un homme vaillant. As a man that was il était dans la douleur. Mais il s'est concentré sur l'essentiel. Il était abandonné, mais il s'est concentré sur sa mission. Il est monté à la croix. Il a vécu. Il a été rabaissé. Il a été châtié. Il a souffert jusqu'à dire tout est accompli. Autrement, il dit, j'ai accompli ma mission. Mais est-ce que ça s'est limité là? Did it stop there? Hallelujah. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Je voudrais vous communiquer son amour afin que vous sachiez combien il vous aime. Hallelujah. Le Seigneur nous aime. The Lord loves us. Le Seigneur est en train de me donner un verset. He's giving me a verse right now. Et je voudrais qu'on le lise. I want us to read. Alléluia. Jésus-Christ, après avoir fini, Jesus Christ, before, il s'est dit, j'ai fini le travail. He said, I finished the work. Est-ce que, maintenant que les hommes now the men ont compris que je les aime, understood that I love them, comment est-ce qu'ils pourront entrer? How would it get in? Dans la présence du Père, the presence of the Father, et retourner à leur place initiale. And come back to their initial place. Comment est-ce que l'homme, how a man, peut retourner, can return, après avoir dit, after saying, tout, everything, t'es, all is accomplished. Le Seigneur avait deux choses avec lui. The Lord had two things with him. Il avait l'eau, he had water, et, and the blood. Alléluia. Amen. Il avait l'eau, yeah, water, et le sang, and the blood. Alors à la croix, on the cross, j'imagine maintenant le spirituel. Il entre dans le ciel. God came on earth, on heaven, in heaven. Le meilleur sacrificateur de tous les sacrificateurs the qui best priest of all the priests that existed. Il se présente devant le Père. He's coming in front of the Father. Alléluia. 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 Lisons au nom de Jésus. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Et nous allons chuter par là. Je veux commencer par le premier verset. Ça sera un peu long. We'll start the first verse. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Aussi, celui qui est né de lui, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu? C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Hallelujah. Amen. J'aime le Seigneur. I love the Lord. Non avec l'eau seulement,
mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est vérité. Stop. Et pourtant, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Et la Bible dit, or, l'esprit est la vérité. Car il y en a trois choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois choses sont d'accord. Alors, sinon, recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est le plus grand. Alléluia. Le témoignage de Dieu est le plus grand. Le témoignage de Dieu est le plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Alléluia. Christ, après avoir accompli tout ce qu'il est venu accomplir, il sait que dans sa quête de sauver les adorateurs, tu ne peux adorer le Seigneur que lorsque tu es fils de Dieu. Bien-aimé, la louange appartient à tout le monde. Nous pouvons être en cellule tous en train de faire quoi? De louer le Seigneur. Mais l'adoration appartient au Fils de Dieu. Alors lorsque Christ a dit, je suis venu chercher les adorateurs que le Père demande, autrement, je suis venu ouvrir une porte pour que tout celui qui passe par moi devienne un fils et s'approche de Dieu. Il n'est pas entré dans le ciel seul. Il est entré avec le sang. He came with the blood, avec l'eau. And water. Et l'esprit qui crie, Abba! 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 En fait, tout celui qui croit en lui, parce que l'esprit rend témoignage, parce que Dieu rend témoignage de son Fils, tout celui qui croit en Jésus reçoit en lui une piqûre. Une piqûre de la vie de Jésus. Of the life of Christ. L'humain ne peut jamais adorer Dieu. Cannot worship God. Parce que l'humain ne connaît pas Dieu. Il est impossible de connaître Dieu si tu demeures humain. Alors Christ, dans son amour, il a apporté une piqûre éternelle qu'il a introduit dans ton cœur. Il a pompé en toi. He puts in l'eau, water, le sang. And blood. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, God, le Saint-Esprit se lève et c'est ta présentation. Les trois choses sont d'accord. Bien aimé, maintenant que nous sommes adorateurs, maintenant que Christ a fait ce travail, approchons-nous donc de Dieu. Connaissons ces choses. Que chaque fois que tu t'approches de Dieu, Dieu ne considère pas qui tu es. Il ne considère pas le péché de tes pères. Il ne considère pas la vie de ton père, de ta mère. Il ne considère pas ce que tu as fait hier. Tout ce qu'il considère, c'est le sacrifice par excellence de son Fils. Qui est avec toi, le Saint-Esprit. Fais assez que tu ne l'appelles plus créateur, mais que tu l'appelles Abba. Père. Father. Père. Father. Père. Father. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a donné tous les éléments pour que nos genoux se transforment. Et si donc, lorsque injuste, pas injuste selon la loi, mais injuste selon la foi, parce que croire en Dieu, croire en Jésus, ça nous justifie des événements. Injuste qui se met à genoux, il a restauré le système d'avant. Il est retourné. Il est devenu la partie la plus forte à l'écoute de la partie la plus faible. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu adores, le ciel est mobilisé. Parce que les trois choses sont d'accord. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le recevoir. Tu as écouté
porter. Adorer Dieu, c'est pas fermer les yeux. Worshiping God is not closing our eyes. C'est pas ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est recevoir la vie de Christ en soi. Receiving the life of Christ. Amen. Adorer Dieu, c'est voir les emblèmes de la croix en toi. The cross in you. Le sang. This blood. Qui est le sacrifice de Dieu. The sacrifice of Christ. Le sacrifice de son the fils. L'eau. Qui est l'accomplissement de sa parole. Word, et le Saint-Esprit qui vient t'emmener à comprendre Dieu, à l'adorer en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Mais il est tellement saint que tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas la vie de Christ en toi. Amen. Je veux te dire une chose. Tu ne dois pas prendre les serviteurs de Dieu impudiques comme référence de ta vie. As a reference of your life. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu fait. Now, there's not only weak servant of God. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ont combattu le bon combat de la foi. The servant of God fought a good fight. Si il n'y en a pas devant toi, regarde Jésus. Not in front of you, look at Christ. Jésus est venu nous donner sa vie. Christ came to give la vie en Jésus ne veut pas dire que je vais demeurer longtemps dans ma péché. Mais j'adorerai toujours. But I will worship always. La vie en Jésus, c'est recevoir le témoignage du Père. Testimony of the Father. C'est lorsque le Seigneur entre dans ta vie comes in your life, et au-delà des paroles, over your, ta respiration and over your breathing, devient une adoration. Worship, ta démarche devient une adoration. Même quand tu fais les shopping, c'est une adoration. Même quand tu manges un restaurant, c'est une adoration. Que tu donnes, c'est une adoration. Que tu marches dans le quartier, c'est une adoration. Et lorsque tu as la vie de Christ en toi, pendant que tu marches, le général de l'armée de Dieu, qui est le Saint-Esprit, se chargera de te présenter et de crier partout à Abba, Père. Il criera en toi. Aujourd'hui, l'adoration, c'est de laisser Dieu servir. To serve the Lord. To serve the Lord. Je veux commencer. I want to start. Une nouvelle vie avec Dieu. New life with Christ. Vous savez ce que j'aime avec le Seigneur. You know what I love with God? Il ne se fatigue pas de recommencer avec quelqu'un. He never gets tired of starting over with someone. Et encore. And again. Bien aimé. Ça ne sert à rien de dire Jésus tu es mon sauveur si tu n'as pas encore sauvé. You can't say God is my Lord if he haven't saved you yet. Tu ne peux pas dire. You cannot say. Oh mon Seigneur. My Lord. Si il n'est pas encore ton Seigneur. He is not yet your Lord. L'adoration n'est pas une répétition des mots. Repetition of words. L'adoration. C'est dire à Dieu ce qu'il est. It's telling him who you pas seulement ce qu'il est dans le ciel, mais ce qu'il est pour toi. Pour adorer Dieu, il faut qu'il touche ton cœur. C'est pourquoi il dit, je toucherai leur cœur. C'est avec leur cœur que je la traiterai. Être aux États-Unis ne veut pas dire que Dieu est devenu pécheur. Ce n'est pas parce que tu es aux États-Unis que Dieu a réagi. Dieu ne deviendra jamais un Dieu vintage. God can never be a vintage God. New technology. New technology. Du reste. God stays. Nos accoutrements changent avec le temps. Our clothing change. Mais Dieu ne change pas. The fashion change, but God doesn't change. Dieu veut. God wants. Que tu l'adores ce soir. We worship Him tonight. Rien ne sert de me dire. Nothing stops me. Mais la caillou. I only look at you. You're the simanga. You're the one who holds me. Mais si vous êtes piaka. But when you're broke. Ok, pas prophète. You go look seek the prophet. Tu ne peux pas mentir Dieu. You can't lie to God. Tout ce que tu dis à Dieu. Everything you tell God. Doit être la vérité. Has to be true. C'est ce qui veut dire en esprit. In spirit. Et en vérité. And in truth. Seigneur. Tu es mon espoir. Lord, you are my hope. Et quand la situation de ta vie devient dure, situation of your life becomes strong. Mets ton espoir en Dieu. You really keep your hope on God. Tu veux que tu dises la vérité quand tu l'adores. He wants you to tell the truth when you worship Him. Aujourd'hui, today, Dieu veut que quelqu'un l'adore. God wants somebody to worship. Quelqu'un tape sur la table. Somebody. Et dire, je veux avoir ce qu'il y a dans ta say, I want to have a testimony in it. Avant qu'on adore le Seigneur. Before we worship the Lord.
Je veux que tu l'adores en lui dans ton cœur. I want you to worship in his heart. Il n'y a pas d'adoration sans discipline. There's no worship without discipline. Il n'y a pas de discipline sans la vie de Christ. There's no discipline without the life of Christ. Combien d'entre nous? How many of us? Nous disons nous sommes des adorateurs. We say we are worshippers. Est-ce que ton téléphone adore Dieu? But if your phone worships God. Est-ce que tu as un code? Do you have a code? Je connais beaucoup des hommes de Dieu avec des codes. You know a lot of men of God with codes. Pour entrer dans. To get on their phone. Parce que s'il si ne met pas de code, because if you don't put codes, il n'y a pas Dieu dans son téléphone. There's no God in his telephone. Est-ce qu'il y a Dieu dans ton Viber? Is God on your Viber? Est-ce qu'il y a Dieu dans ton WhatsApp? Is God on your WhatsApp? Est-ce qu'il y a Dieu? Is there a God? Boyfriend and girlfriend. Boyfriend and girlfriend. Ce ne sont pas des relations qui adorent Dieu. Amen. Tu ne peux pas venir adorer Dieu. Dieu n'a pas changé de système. Dieu maintenant comprend. God understands now. Mais toutes les fois que tu demeures dans le péché, every time you stay in sin, il se sent loin de toi. He's feeling away from you. Je ne te condamne pas. I'm not condemning you. Mais je te dis qu'il t'aime. I'm telling you he loves you. Il veut te récupérer. He wants to take you back. Vous savez, you know, parfois tu lui as demandé pardon parce que tu es tombé. Sometimes you would ask him, I'm sorry because il t'a déjà pardonné. He already forgiven. Mais le problème est que tu demeures dans le péché parce que tu ne t'es pas pardonné toi-même. You stay in the sin because you didn't forgive yourself. Il y a une maman qui m'a fait beaucoup de mal. There's a lady that really hurt me. Mais que j'aimais beaucoup et que j'aime. That I loved her so much, I still love her. Et je voulais la récupérer. I really wanted to take her back. Je l'aimais tellement. I really loved her. Je suis allé chez elle et lui dire, maman, reviens, je t'aime. Come, I love you, come back. Mais elle se sent tellement mal de m'avoir blessé. So bad to hurt qu'elle me. A honte d'être à côté de moi. She's afraid to be next to me. Parce qu'elle n'arrive pas à se pardonner. Because she does not. Ça créait vraiment une grande distance. So it created a distance. Tu ne peux pas adorer Dieu à distance. You cannot worship God in distance. Tu vas louer Dieu, mais tu ne peux pas adorer. God, but you cannot worship. Je vais te dire que dans le ciel, I'm telling you, n'entreront que les adorateurs. Only worshippers come will go to heaven. C'est l'adoration. It's the worship. Qui va te faire à ce que tu entres dans le ciel. Amen. Come on. Il n'y a pas de prédicateurs dans le ciel. There's no preachers in heaven. Excusez-moi. I'm sorry. Il n'y a pas de prophètes dans le ciel. There's no prophets in heaven. Dans le ciel. In heaven. On est la Hosanna. Hey! Come on. Hosanna. Dans le ciel, ce sont les adorateurs. C'est pourquoi je bénis cet homme de Dieu qui dit expérience de l'adoration. Dieu est en train de nous former pour ce que nous allons faire dans l'éternité. Il veut que tu prennes la décision aujourd'hui de déverrouiller ton téléphone. To unlock your phone. Il veut que tu prennes la décision aujourd'hui de prendre le témoignage de Christ en toi. The testimony of Christ in you. Combien de fois on dit Seigneur viens me délivrer? How many times we say God come deliver me? Mais Seigneur délivre-moi de la faim, deliver me from de la honte, du célibat. Mais ne me délivre pas du mensonge. Don't deliver me from lies. Mais non, Seigneur, ne touche pas, ne touche pas. Don't touch these points. Seigneur, c'est Yannick. Sorry, Yannick. Enlève-moi ce mot de la stérilité. I'm sterile. Mais laisse-moi Yannick. Oh, give Yannick. Come on. Dieu. God. Il est le Dieu de la sainteté. He's God of holiness. Amen. Il est le Dieu de la chasteté. Amen. Il est le Dieu de la virginité. God of virginity. Amen. Les choses évoluent. Things change. Mais la parole n'évolue pas. But the word of God does not change. Dieu va changer des systèmes. God can change systems. Il va envoyer différents messagers. Bring different messages. Mais le message but ne the change message pas. Does not change. Ça ne servira à rien. It won't work nothing. Qu'on soit là ce soir. That we're going to be here. Et après l'adoration, and after worship, que tu rentres avec ton démon de peur. Après l'adoration, after worship, tu ramasses ton sac de mensonges. You take your bag of lies. Il y a même ceux qui disent,
There's moi, je ne suis pas impudique. I'm not an idolater. Parce que toi, tu le fais seul. Because et qu'il n'y a pas de témoin. There's no test. Ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas ton péché que tu n'as pas péché. It's not because just because someone don't know your sin, that doesn't mean you didn't sin. L'une des choses que je regrette étant femme que Dieu a élevée. One thing I regret is a woman of God that God has ever elevated. C'est que je vois souvent la faiblesse des hommes de Dieu. Is that I see a lot of weakness in the men of God. Et j'ai pris la décision. And I took the decision. Qui ne seront pas. That they won't. Mes modèles. Won't be my model. Dieu veut que tu sois vrai. God wants you to be true. Est-ce que tu peux rentrer derrière? On va adorer Dieu. We're going to worship God. Seigneur, je veux recevoir le témoignage de Christ en moi. Testimony of Christ in me. Si ce soir j'étais en train de dire, if this evening I was saying, que Dieu va t'élever. You stand up. Dieu, tu as ouvert les portes. You open doors. You see everybody. Mais aujourd'hui je te dis, but today I'm telling quand un juste se met à genoux, le ciel est mobilisé. Quand un juste se met à genoux, le ciel est mobilisé. Quand un pécheur commence à se repentir, l'adoration commence à monter au ciel. Parce que chaque fois que tu te repens, tu adores Jésus, l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour tes péchés. Chaque fois que tu l'adores, en disant Seigneur, je suis faible, mais toi, moi, sois ma force. Seigneur, je t'adore, parce que tu es la force de ma force, l'âme de ma âme, la vie de ma vie. Seigneur, 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 je t'adore, je te donne ma vie. Chaque fois qu'un juste se met à genoux, le Seigneur est debout sur son trône. Le ciel commence à descendre. L'atmosphère commence à changer. Up to you. Dieu m'a envoyé pour parler à un adorateur. Nous allons fermer les yeux. J'aime le Seigneur. I love the Lord. Mais je suis encore dans l'immoralité. But I'm still in immorality. Je ne sais pas maintenir ma vie. I cannot maintain my life. Mets-toi debout. Stand up. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Tout celui qui dit Seigneur, je vais commencer une nouvelle vie avec toi. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur t'appelle. Viens. J'ai été crucifié pour toi. Viens. Viens m'adorer. Pour mon amour, que je t'ai versé dans ta vie. Seigneur, je suis faible, je ne sais pas abandonner ça, mais toi mon Dieu, toi mon Seigneur, toi mon Sauveur, écoute-moi, maintenant, que tout celui qui prend la décision de commencer une nouvelle aventure avec Dieu vienne devant. On n'a pas honte de prendre la décision d'adorer Dieu dans les hommes. N'est-ce pas inutile? Si tu as honte de moi devant les gens, moi aussi, j'aurai honte de toi devant Dieu. Je veux te dire, quelque chose arrive quand un juste se met à genoux. Le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. La faveur s'est mobilisée ce soir. Seigneur, je te veux. Mais je suis faible. Je veux t'adorer. Non selon la chair. Lorsque Dieu était en train de dire à Moïse, il lui dit, tu feras le tabernacle. C'est même le modèle. Ce n'est pas à toi d'imposer à Dieu le modèle, mais à te conformer au modèle. Le Seigneur t'attend aujourd'hui. Seigneur, je vais t'adorer, mais je suis faible. Ferme les yeux. Je t'attends, bien-aimé. Je vais insister. Parce que Christ a insisté. Il dit, voici, je me tiens devant ta porte. Et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Approche. Le ciel t'attend. Je vais prendre la décision d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Très maillachette de l'évangile. So breathing, I feel.
it soaring, I touch the sky. What a nation.